Une chose qui m'avait aidé quand j'étais jeune moine et que je me mettais à prier, j'avais toujours l'impression qu'il fallait se composer un visage et comme se maquiller. J'appelle ça le maquillage psychologique. Imaginez qu'il faut toujours être dans la joie et dire à Dieu que ça va bien, etc. Même quand on est au fond du gouffre. Et Dieu nous aime comme nous sommes, en vérité. Qu'on n'a pas besoin de se composer un visage. Quand on est triste, on peut tout simplement le lui dire et il est là pour nous réconforter. C'est ce que l'apôtre appelle la tristesse selon Dieu. Et alors Saint Grégoire, le grand, dit de ça des choses très belles. Il y a la tristesse par rapport à ce qui était. Ubi erit, c'est le regret de nos fautes passées. Ubi fuit, la tristesse par rapport à ce qui va être le jugement, parce que Dieu nous aime, on espère dans sa miséricorde, mais en attendant, le jugement reste le jugement. Enfin bref, même s'il écrit que la miséricorde serait du jugement. Ubi est, la tristesse par rapport à ce qui est, parce que notre vie est faite d'humbles joies et de soucis et de peines, et que même ça, pour Dieu, ça a de l'importance. Et ubi non est, ce qui n'est pas encore, les joies du ciel à venir, que nous ne connaissons pas encore, et qui nous font vivre pour une certaine nostalgie que l'on peut confier à Dieu dans la prière.